Bienvenue sur la chaîne Tosh Mécanique. Ce matin, nous allons parler d'un Pajero 3.2 DID. Ce véhicule appartient à un membre de la diaspora basé en Europe. Et ce véhicule lui sert de déplacement lorsqu'il se trouve au Cameroun. Pour parcourir le Cameroun de long à large, ce qui s'est passé, quelques jours après, on l'appelle pour lui dire que le moteur a coulé. Il a fait appel au service de Tosh Mécanique pour pouvoir poser un diagnostic sur ce véhicule. Tosh Mécanique ayant dépêché sur le terrain un technicien pour constater effectivement le bruit, il a été conclu que le moteur n'a pas coulé. Plutôt, ce qui a été constaté, c'est le volant moteur qui s'est cassé en deux. Et le convertisseur de couple qui tape dessus, qui s'est mis à faire du bruit lors du démarrage du moteur. Le démontage, la dépose moteur s'impose pour pouvoir confirmer les dits, puisque nous voyons les débris. Ce véhicule va être maintenant rapatrié dans les ateliers de Tosh Mécanique, basé à Douala, derrière Mobile Guinness. Une dépanneuse s'est déplacée exprès pour venir porter le véhicule afin d'amener les ateliers de Tosh Mécanique. Tosh Mécanique a fait appel à son partenaire Assistancia pour effectuer cette manœuvre de remorquage. Nous voici arrivés à Mobile Guinness avec la Pajero 3 litres 2 DI qui a un problème de claquement moteur, soi-disant. Et ensuite, nous allons donc, comme on l'a dit par le passé, poser son diagnostic, c'est-à-dire regardez pourquoi claque ce moteur. Précédemment dit, nous avons vu que ce claquement provenait du volant moteur qui était cassé et qui endommageait aussi le convertisseur. Donc, ce véhicule étant maintenant sur la fosse arrivée à Mobile Guinness, nous allons procéder maintenant à la dépose de la boîte de vitesse afin de pouvoir affiner le diagnostic. Comme vous pouvez le constater, le moteur a été déposé. Le parent accroché au moteur, vous pouvez le voir avec moi, il y a une séparation de la boîte de vitesse et le moteur. Voici les dégâts. C'est ce volant moteur qui est fissuré, cassé de partout. Et c'est sur ce volant moteur qu'est fixé le convertisseur de couple. Maintenant, pour remédier à cette panne, il ne nous reste plus qu'à aller trouver un volant moteur. Après avoir déposé le moteur, remplacé le volant moteur qui était défectueux et le convertisseur, voici cette Mitsubishi Pajero 3 litres 2 DID qui tourne parfaitement sans bruit. Donc, comme vous pouvez le constater, je vais le démarrer. Je vais démarrer son moteur en votre présence. C'est parti. Vous l'entendez tourner, ce véhicule va devoir retrouver les autres sur les routes de Douala. En plein essai de la Mitsubishi Pajero qui avait le moteur qui claquait venant du volant moteur. Donc voici ce véhicule qui roule dans les rues de Douala, comme vous pouvez le constater. Malgré les embouteillages, ne vous fiez pas. Nous sommes en plein essai de ce véhicule. Le voici qui peut reparcourir toutes les villes du Cameroun. Nous sommes à Douala. Oui, c'est bon.
sommes à Douala, quartier Ndokbon, pas loin de Mobile Guinness. Nous sommes en train d'essayer la Pajero. Douala au Cameroun, quartier Ndokbon.